Les enjeux électoraux en cours seront très importants pour l'avenir de cet établissement public qui répond à des besoins de la population. Et effectivement, les orientations du gouvernement qui vient de s'écouler ne permettaient pas un avenir serein pour la structure hospitalière, puisque le principe était qu'un établissement privé était tout à fait égal à un établissement public. Et nous pensons que ce n'est pas du tout la même chose. L'établissement public doit pouvoir prendre en charge l'ensemble des besoins de la population. La coexistence avec un secteur privé lucratif à côté de celui-là étant une toute autre question, mais les besoins pour la population doivent pouvoir être totalement assurés par le service public.